on se retrouve pour une nouvelle journée. Ce matin, le chéri avait mal à la tête, mais une migraine impressionnante. Avec la chaleur qu'il faisait ici. Ouais, avec la chaleur qu'il faisait, c'était compliqué. Donc moi, je suis partie chercher deux cafés à côté dans notre petite station préférée comme on a été hier. Hein. J'ai pris un vanille française et le chéri, je lui ai ramené un café normal. 4$ les deux cafés. Hein. Ceci dit, j'ai pas pris les plus gros, j'ai pris les moyens. Parce que l'autre fois qu'on a été hier, je crois que c'était 5$ et quelques les deux gros. Là, les moyens, c'était 4$ les deux. Pacha, ça va? On te dérange pas trop? On attend le monsieur qui nous avait livré les électroménagers pour qu'il répare les dégâts là qu'il a fait. Donc c'est pour ça que là pour l'instant on est bloqué. Il m'a dit qu'il passait entre midi et 15h et il va nous amener le lave-vaisselle qu'il avait oublié. Heureusement que le chéri en plus lui a dit mais il n'y avait pas le lave-vaisselle. Moi j'avais complètement zappé en plus. Et il avait carrément oublié de nous l'amener. Et j'ai été à la clinique vétérinaire juste à côté. Alors là c'est un gros point positif parce que je sais pas si vous vous rappelez quand j'étais à Lévis, j'avais fait le tour de toutes les cliniques vétérinaires. J'étais sur liste d'attente où les cliniques ne prenaient pas de nouveaux chats, de nouveaux patients. Où j'étais sur liste d'attente et à Lévis j'étais 300 sur liste d'attente. J'ai jamais pu avoir un rendez-vous pour Pacha et Moon pour leur refaire leur vaccin un an après qu'on était arrivé. Là, j'y suis allée, elle m'a dit bien sûr qu'on prend le nouveau patient, je vous enregistre de suite, c'est l'avantage d'être dans des petits villages avec 800 habitants. Elle m'a enregistré Pacha, j'ai été acheter ses croquettes. Je vais vous montrer, bah, c'est exactement les mêmes hein, que j'avais en France. Regardez, ça c'est ce qu'on s'est pris à Costco hier, petit Pacha est là. Donc je vais manger un bout là avant qu'il arrive, c'est trop trop bon ça, je me rappelle, on l'avait déjà pris. C'est bon ça, même si c'est pas chaud parce qu'on n'a pas de micro-ondes. Je vous montre là, regardez dans la pièce. Hop là, ma copine qui est venue nous récupérer avec l'employeur de mon chéri, parce que ma copine que je connais, c'est sa famille en fait où mon chéri bosse, donc improbable, hein, on savait même pas, donc elle est venue nous chercher à l'aéroport, c'était vraiment une surprise. C'est croquettes du coup qu'elle m'a pris pour dépanner parce qu'elle avait pas trouvé celle-là, et dans ma clinique vétérinaire bah, j'ai trouvé les mêmes, donc je suis trop contente. Et c'est dans le petit village où on peut aller à pied, à 10 minutes à pied et 2 minutes en voiture, donc c'est trop cool d'avoir la clinique à côté. J'ai commandé les boîtes de pâté pour Pacha parce qu'il les avait pas sur place, ça se vend par caisse, donc elle m'appellera dans 2 jours, je les ai commandées, je les ai payées. Celle-ci c'est pas exactement les mêmes, mais du coup au pire je lui mélangerai avec celle-là pour pas les gâcher, c'est dommage. Je vous montre du coup, on a installé le canapé, pour l'instant on l'a mis comme ça, donc on a monté les pieds. Le tapis est incroyable, il ressemble un peu au tapis jaune qu'on avait, sauf que là il y a vraiment des touches de gris, je le trouve encore plus beau que le premier je crois qu'on avait pris, ça change, c'est original. Et ça c'est le même canapé jaune, et dans tous les cas quand on aura un canapé d'angle plus tard, parce que c'est sûr, je pense qu'on va prendre un canapé d'angle, on le mettra dans une des pièces, dans le bureau ou autre, dans la pièce YouTube, on verra. Et là il faut qu'on aille chercher, on avait repéré un buffet chez une dame, faut absolument qu'on récupère ça, et le foyer qui est magnifique aussi. Et on n'a pas la voiture encore, donc dès qu'on aura une voiture à nous pour faire plus de route, parce que là avec la voiture électrique qu'ils nous ont prêté, malheureusement ben, on peut pas aller trop trop loin, parce que c'est la, à chaque fois qu'on la charge ça fait quoi, 143 km à peu près, 170 si tu as 170, ouais, charge complète. Et qu'on fait aller-retour déjà à Drummondville, vu qu'on a 20 minutes, on perd pas mal quoi. Le lit de king size, je vous jure, ça change la vie de dormir sur le matelas. Bon, on n'a pas monté le lit, hein. Le lit est là. On fait des journées en ce moment, elles sont hyper longues avec tout ce qu'on doit faire en plus administrativement et tout. On a dormi sur le lit, enfin le matelas par terre directement. Mais qu'est-ce que c'est bien d'avoir de la place, étendre ses jambes, ça fait trop plaisir. Donc j'ai hâte qu'on monte le lit aussi pour vous montrer la pépite qu'on a achetée. Non mais regardez, il y a les enfants qui font du vélo dans le champ en face de chez nous. On dirait Stranger Things quoi, c'est la gang de Stranger Things, ils sont calés quoi. J'adore. Bon, en attendant que le monsieur revienne nous livrer le lave-vaisselle, je pense qu'on va essayer de monter un petit peu le lit pour nous avancer. Au moins, ça serait une bonne chose au lieu d'attendre. On a mis le matelas là, Pacha arrive, c'est parti pour le montage. La couleur est incroyable. Je vous donne un petit aperçu. Bon voilà notre incroyable lit bleu. Bon là ça fait pas très beau avec la couette verte comme ça. On va prendre une housse de couette, ça fera plus joli. Mais il est capitonné. Lookez-moi ça. C'est trop beau la couleur. Il est trop trop beau. C'est de la super qualité en plus chez Structube. On n'est jamais déçu. Il est magnifique. On va enfin dormir dans un vrai lit. Parce que hier c'était sur le matelas par terre. Et là on sera vraiment sur le lit. Ça y est, le lave-vaisselle est en place. Donc on l'essaiera certainement plus tard. Parce que pour l'instant là on n'a rien à laver. On n'a pas trop de vaisselle. Il y a juste ça qui me gêne. Parce que ça c'est normalement vous devez le fixer en dessous. Mais j'ai pas envie de percer le plan de travail. Donc on verra quand on aura du matériel là pour essayer de les mettre un peu à l'envers. Ça se voit moins. Parce que j'ai peur qu'on s'accroche en plus avec ça. Lookez-moi ça, regardez. En plus je trouve que blanc on voit vachement bien à l'intérieur. Mais c'est trop trop grand. Regardez, et il sent le propre. Je suis trop contente que la première fois quand on l'avait eu, c'était pas tip top. Voilà une bonne chose de faite. On a laissé charger la voiture du chéri à son travail. Du coup, on s'arrête encore dans le centre de Drummondville. L'église, elle est incroyable. On va aller boire un petit café au Café Morgane qu'on m'a conseillé. D'ailleurs, merci de me donner vos bons plans sérieux sur Insta et tout. Parce que du coup, vous me donnez plein de bonnes adresses. Donc, on va aller tester ce petit café. On est dans le Café Morgane et du coup c'est vraiment comme un bistrot parisien avec ta petite terrasse dehors.
Et là, le chéri, il a pris un café, c'est vraiment le même que chez nous. Et on a pris un thé glacé Earl Grey avec de la lavande et c'était quoi, du bleu. Ouais. Voilà, on est trop bien le temps que la voiture charge. Hello tout le monde, je vous retrouve du coup dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, il fait quand même plutôt couvert. C'est couvert, il a plu cette nuit, c'était trop agréable. Je suis toujours floue, désolée. Du coup, cette nuit, ouais, il a plu. Là, on a rendez-vous à 10h pour faire nos permis de conduire québécois. Et avant, on va aller à l'ouverture de Canac parce que ça ouvre à 8h. Je savais pas que ça ouvrait aussitôt. On va aller voir si on trouve un tapis pour la chambre, des barres à rideaux parce que franchement, on est réveillé à 4-5h tous les matins. À cause du jour, c'est trop compliqué. Donc, au moins pour la chambre, on va voir. Après qu'on ait fait le permis, on va aller à Costco faire des courses parce que comme vous pouvez le voir, ben le frigo il est vide. J'étais à Costco la première fois mais juste pour dépanner parce qu'on était cuit de la journée. En plus on a galéré à renouveler nos cartes. Là il faut vraiment qu'on fasse des courses parce que même au congèle ben c'est vide. Et je croise les doigts, hier j'ai repéré une voiture, normalement ils doivent me donner des nouvelles ce matin. Ça serait bien qu'on puisse la voir, elle est trop belle, j'ai eu un coup de cœur dessus, je vous jure l'intérieur et tout est magnifique. Mais il y avait quelqu'un qui devait aller la voir hier soir et qui était intéressé, donc j'espère qu'elle est encore disponible et qu'ils vont m'appeler et me donner une bonne nouvelle. Ça serait bien parce que là avec la voiture électrique qu'ils nous ont prêté, malheureusement c'est qu'on peut pas faire beaucoup de kilomètres, on peut pas aller acheter les meubles qu'on veut. Parce qu'on a reçu c'était uniquement les livraisons qu'on avait commandées sur Structube et sur les électroménagers. On va bien aller récupérer notre meuble TV qu'on avait réservé de France à une dame. On avait un foyer aussi mais je sais pas comment on va faire pour le monter parce que le foyer il est tout en marbre apparemment. Elle m'a dit ça prend 4 personnes pour le porter donc je sais pas trop comment on va faire. Écoutez, let's go pour cette nouvelle journée avec nous. Petit Pacha a pris place sur le canapé, ma beauté. Oh la beauté des îles. Je vous montre le temps d'aujourd'hui mais c'est un peu couvert. Je sais pas si ça va se dégager après. Allez, direction Canac, on va aller voir ce qu'on trouve. Il est 8h17 du matin. Regardez le petit panier en osier pour chat à Canac, c'est trop mignon. Je vais vous montrer ce qu'on a trouvé à Canac. C'est abusé, on a trouvé des barres à rideaux à 10$. Maintenant on va à Canadian Tire. On continue à prendre un rendez-vous à 10h donc on va pas traîner. Regardez le ventilateur Elise pour la chambre, il est en solde. Au lieu de 174$ à 79$. Ça, on n'en a pas en plus dans la chambre là. Oh, c'est canon. La tension en dessous. Ah, tu fais ça. Et ça, tu le mets dans le lave-vaisselle, je pense. Ouais, c'est comme un gris. C'est le Ninja Gris. La qualité des articles ici, c'est incroyable. Moi, ce que j'aime magasiner ici, c'est qu'il n'y a personne. Vous êtes tranquille, les gens sont calmes, sont pas stressés. Vous pouvez poser votre téléphone et faire les magasins tranquillement. Yeah! Ils vous vendent des bouteilles de sirop d'érable en forme de feuilles d'érable. Celles-là aussi, elles sont trop belles. On cherche un tapis pour la chambre. Il y a bleu ou rose. Bleu, il serait assorti au lit. Rose, ça pourrait trancher. Bon, je suis pas sûre que ça fasse très beau ensemble. C'est un rose poudré. Mais ce qu'il est tout doux, il est en liquidation de 59$. C'est un 5 par 7. Ma chérie, il cherche à quoi ça correspond. Un 5 par 7. C'est sûr, c'est celui-là? Ah ouais, 5 par 7. Ah, c'est grand quand même. C'est bien ça? 2m13, ouais, c'est pas mal. Sur 150. Bon, on est sorti du... on a trop chaud dans la voiture. On est sorti de la société de l'assurance automobile pour faire notre permis québécois. Là, en voiture, il fait chaud. Attendez, j'ouvre la fenêtre. Il fait lourd, en fait. C'est bon, on a le permis québécois provisoire. On va recevoir le bon à la maison. Et à Canadian Tire, on a juste acheté 2 poubelles. Une poubelle pour la cuisine, une poubelle pour la salle de bain. Elles sont trop belles, je vous les montrerai après. Elles sont géniales. Et là, on va aller, je pense, à Winners, non? En attendant d'avoir une réponse peut-être pour ma voiture. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Je suis dead. Donc, écoutez, on va aller faire un petit tour à Winners. Et on va attendre, on va croiser les doigts. Peut-être que j'aurai une réponse pour la voiture. Let's go to Winners. Moi, c'est bon. Il est beau. Et là, regardez, c'est des tabourets en forme de burger, de donut, de macarons. Qui c'est que vous pouvez voir ça hein? C'est beau, Winner, j'aime trop ce magasin. Oh, ils sont beaux ces petits fauteuils sièges. Je vous montre après ce qu'on a trouvé, mais celui-là, il est trop beau. 100$, on est trop bien installé dessus. Il est peut-être un peu cher, mais c'est pour s'asseoir dans l'entrée quand on met les chaussures. Il y a lui, là, mais il est plus cher. 180, je crois. Il rentrera pas, lui. Mais lui, il est beau, à voir. Vous avez les sièges champignons. Oh là là, on a acheté cette bouteille d'eau Winners. Je vous jure, c'est une des meilleures marques. J'aime trop cette eau, elle est délicieuse. Et j'ai mis ce beau pantalon perroquet et tout. Et j'ai déjà eu un compliment d'une dame qui m'a dit oh là là, qu'est-ce que j'aime votre pantalon. Ça y est, les compliments commencent, ça fait plaisir. Là on est sur le parking de tranquillou. Et on va aller, donc là on sort du Winners, on va aller certainement à Stock. Et on goûte du coup pour la première fois le poulet rouge. On nous avait conseillé le poulet, il sent tellement bon. On a pris du quinoa en dessous, plein d'accompagnements de tomates, concombres, canneberges, oignons confits, purée d'avocat, Tex-Mex. Moi j'ai pris poulet au citron et le chéri il a pris à l'ail. À l'ail, ouais. Ouais, et un Pepsi Zéro, les bouteilles sont plus grosses, en plus 600 ml la bouteille. Et du coup, c'est ici, directement dans le centre commercial. Bon appétit à tous! «
Regardez-moi ces flûtes. Je les ai achetées chez Winners. Incroyable pour boire les mimosas dedans avec des nœuds roses. Elles sont sublimes. Franchement, c'est magnifique. On a pris des belles tasses comme ça chez Winners aussi. C'était 15$. Look et moi, il y en a 4. Regardez, on dirait du cristal. Ou même un thé dedans. J'ai pris un sèche-cheveux. Ça, je l'ai pris au Winners. 29$. Ça suffira amplement. Cette poubelle, elle est incroyable. Du coup, on a pris Canadian Tire. C'est une 50 litres. Mais quand elle se referme, regardez, elle se referme en plus toute seule. 60$. Parce que ça, les poubelles, c'est très très cher, que ce soit en France ou ici. Celle-ci, je la trouve trop belle. Elle est nacrée un peu chocolat. Sublime. Donc, ça ira dans la salle de bain. On l'a payé. J'ai plus, mais je crois qu'il me semble c'était dans les 18$. La douche, ça fait raclette et en même temps de l'autre côté ça essuie. Parfait pour éviter les traces. Bon, ça c'est le chéri qui s'est pris 2 caleçons. J'ai pris un t-shirt à 5$. Magnifique. Trop bon, plus à 5$. Regardez du coup les rideaux qu'on a pris. J'ai pris du... Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est du doré jaune. Et on a pris du noir. Ça va être pour la chambre, pour bien dormir. C'est du velours. Ils sont incroyables. On a pris ça aussi pour la douche, pour mettre les gels douche et tout, pour éviter de se baisser. Je vous montrerai les tringles après. Là, je fais une pause. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve le lendemain, mais bien plus tard. Au niveau de la voiture, du coup, ça passait pas. J'ai magasiné les assurances. C'était trop cher. Du coup, on est en train de voir pour essayer de trouver 2 autres voitures. Mais il faudrait prendre le bus ou le train pour aller du côté de Québec. Donc à suivre. Écoutez, là on est à Costco. On va faire le plein tranquillement. Parce que l'autre fois quand on a été, on avait attendu quand même assez longtemps pour renouveler nos cartes Costco. On avait pris juste l'essentiel. Et hier on a fait quelques courses à Maxi, mais vraiment pas grand chose. Donc je vous montrerai ce qu'on avait pris à Maxi. Et là on va faire un gros plein à Costco parce qu'on en a strictement besoin. Parce qu'on doit rendre la voiture celle-ci. Donc je ne sais pas comment on va se débrouiller. Écoutez, let's go au Costco déjà. C'est le principal. On y est, je suis sur le parking. D'arriver, donc on va faire l'épicerie comme on dit ici. Regardez, il y a le lancer de hache et le big puissance 4. On a pris 2 chariots tellement c'est... Ah ouais. C'est full. Regardera. Mon dieu, les premières courses Costco, c'est rentré dans la voiture. Je sais pas comment, mais c'est rentré. Let's go, on rentre à la maison, je vous montre tout ça. J'ai chaud, ça y est. Et on a oublié de remettre la clim à la maison. Je pense que ça va être un four. Il y a une belle Harley devant nous. Elle est magnifique. Oh, on est rentré. J'ai dû faire 10 voyages en bas. Pour les courses, et encore, il y en a encore. Là, le chéri va prendre les dernières affaires. C'est bien pour le sport, hein, je vous jure. Là, ça va mettre darda. Je vous montre du coup ce qu'on a pris. Sinon, ça va être trop long. Alors, on a pris un poulet rôti. Ça vaut trop le coup chez Costco. Il était à 7,99$. Les fameux papiers cuisson. On a pris les gros tumblers comme ça qui font chaud et froid. Ils sont géniaux. Je les avais vus. Tout le monde en parlait. Donc, c'est trop bien pour le travail. Donc, il y a 24 € chaud, 24 € froid. Des serviettes pour les mains parce qu'on n'en avait pas. De toute façon, on n'avait rien donc on était obligé de tout acheter. 2 gros cranberry, ça a l'air trop bon. Des thés aux perles aux fruits du dragon. Il y a je sais pas combien de bouteilles, 8 bouteilles dedans avec les billes. Oh, 3 de goûter. Un big paquet de riz. Apparemment, celui-là c'est le meilleur. 3 aluminium, un film élastique, c'est le même qu'on avait à la maison aussi, il nous a duré 1000 ans. Des bagels au sésame et au fromage et jalapenos. La dinde comme ça, on la prenait, elle était trop bonne pour faire les bagels, c'est délicieux. On a pris du jambon cru, celui-là il est incroyable chez Costco, c'est vendu par 2 paquets. Ça, je connais pas, c'est un assortiment qu'ils ont fait mortadelle. Il y a comme de la copa, du prosciutto, du jambon cuit. Donc écoutez, on goûtera. Plein de petites tomates cerises, des filets d'aigle fin, ça c'est délicieux. Des ananas congelés, puisque je vais faire avec mon ninja des smoothies. D'ailleurs, faut vite que je les mette au frais, c'est en train de tout décongeler. Des wontons au poulet, ça j'adore ça, poulet et coriandre. On va goûter le fromage Le Maire, c'est à côté de chez nous, la fromagerie Le Maire. Donc hâte de goûter le fromage à poutine. Des gnocchis à poêler au fromage. Mon chéri m'a dit de prendre cette sauce, apparemment elle est incroyable. Je sais pas quel goût ça a, c'est une barbecue. Sauce barbecue. Ça, on va prendre ça, on va manger certainement ça ce soir. Avec le poulet, c'est une salade de quinoa, des jus d'ananas, il y en a 6. Évidemment, on a pris des chaussettes. Moi, j'ai pris des filas, des sockets pour le travail et le chéri. Des chaussettes champions, ça vaut trop le coup, toujours chez Costco. Du bacon, plein de bacon là-dedans. Les clémentines, on les a goûtées, incroyable. 2 paquets de Tex-Mex un peu piquant, là, vous savez, c'est trop bon ça. De la sauce soja, vinaigre balsamique, t'as chaud. Les lasagnes comme ça pour dépanner, elles sont trop bonnes. Celle-là, c'est vendu par 2 paquets. La pâté à pacha, urinaire et saut modérant. Calories, elle est arrivée chez le veto le lendemain, incroyable, c'était hyper rapide, donc on est passé les récupérer. Des kiwis, on a plein de kiwis, trop contente. Je savais même pas qu'à Costco ils faisaient des baguettes, elles sont hyper croustillantes, donc hâte de goûter ça. Des tablettes pour le lave-vaisselle, 3 poêles Tefal, ça valait trop le coup parce qu'on avait rien pour cuisiner, elles étaient à 19$ je crois les 3. Ça c'est nouveau, hâte de goûter, apparemment c'est des churros, comme des churros au chocolat qui croustillent. Il y a les Smirnoff comme ça, bon, c'est alcoolisé mais à différents goûts, framboise, orange, baie et original. On a pris des assiettes, je vais vous les montrer après, elles sont trop belles, bleues. C'est pas toutes les mêmes comme ça, elles sont trop belles. Il y en a 6 parce qu'on n'avait pas d'assiette. Ça valait le coup 40$ les 6 grosses serviettes. J'ai pris un grand tapis pour mettre sur la terrasse, je vous montrerai. J'ai trouvé cette chaise pliante rembourrée, elle est incroyable, déballée, je vous la montrerai. Elle est trop belle. On a pris de la Red Bull à différents goûts, abricot fraise, watermelon, évidemment à boire avec modération, et pêche nectarine, ça a l'air trop bon. C'est pas fini, il y en a encore.
on a pris des brochettes. Brochettes de porc. Et deux bouteilles d'énormes citrons comme ça pour mettre sur les poissons. Moi, j'en mets partout du citron. C'était à 5$ les deux. Ça, c'était pas cher du tout. Les baby carottes, c'est la vie. On a pris du Philadelphia pour les bagels light. Et là, on a pris du porc salut. On a trouvé du porc salut. Le poulet au beurre, on en parle. Ça, c'est délicieux, le poulet au beurre. On a pris la moutarde de Dijon. Elle était pas chère du tout. Le gros pot comme ça, 7$. Ça, 3 de goûter, des salades comme ça. C'est une churie, là, c'est du chou frisé. Ça a l'air trop bon. Roux, blanc, vous avez même des canneberges et tout dedans. Ça a l'air trop bon, des graines de citrouille. Ça a l'air délicieux. Vous avez la vinaigrette incluse. Il y a 2 sachets. Et fraises aussi congelées. On va goûter la mayo Hellmann végétale. Je connais pas du tout. Elle était en promo, donc on goûtera à 7$. Le liquide de rinçage finish pour le lave-vaisselle. Le lait pour le chéri. Le lait mignon. Ensuite, ici, c'est pas fini. Le chéri, il a pris des déos. Les chips. Veggie, elles sont incroyables. Les échalotes, ça c'est une dinguerie. Et le paquet il est énorme. On a pris des petites courgettes. Évidemment, les 2 grosses bouteilles d'huile d'olive. Au moins on est tranquille. La sauce lime et coriandre a l'air trop bonne. Et le chèvre incroyable qu'il faut mettre au frais parce que tellement il fait chaud là. Tout est en train de partir. Bretzel, gâteau de fête et yogourt, c'est trop bon. C'est sucré salé. Ça, j'espère que c'est bon. C'est sucré salé, caramel et cheddar. Ça doit être trop bon. Voilà, il n'y a plus qu'à tout ranger. Je suis en ébullition. Je coule l'eau. Regardez les belles assiettes du coup du Costco. Elles sont magnifiques. Donc il y en a 2 de chaque comme ça. Celle-là, c'est mes préférées, je crois. Sublime. Et là, avec les petites feuilles. Incroyable. Et comme on n'avait pas d'assiette, on a pris celle-ci. On va les mettre au lave-vaisselle aussi. Trop, trop jolie. Mais regardez, on a monté la chaise. Elle est hyper, hyper molletonnée. Elle est incroyable. Bon, Pacha prend ses marques, mais on va la mettre certainement sur le balcon. Et c'est bien quand on part au chalet, au camping ou autre, on peut la prendre. Et vous avez même un petit truc pour poser votre gourde ou autre pour boire. Génial. Bon, petit Pacha prend ses repères. Hein. Voilà, et je vais vous montrer le tapis sur la terrasse, comment ça rend. 19$ seulement chez Costco. C'est un énorme coup de cœur. Il existait en plusieurs couleurs. Il existait en bleu, en gris, en vert, je crois. Je me rappelle plus, rouge, je crois aussi. Incroyable, en or comme ça, ça ressort super bien et il résiste à l'eau. 19$ seulement. Il est immense, ça prend toute la terrasse. On va mettre la moustiquaire et fermer. Il faut absolument qu'on installe les rideaux parce qu'il fait une chaleur pas possible dans l'appartement. Et il vaut mieux laisser les rideaux fermés parce que là, clairement, on meurt de chaud. Ce que j'adore, c'est qu'on a toujours le petit coucher de soleil qui reflète. Une fois que le soleil est parti, tout est rose, c'est incroyable.